Bonjour, Françoise Hérien, je suis présidente de la Fédération des réseaux de soins palliatifs d'Île-de-France, RESPALIF, et nous co-organisons cette année encore avec le Fonds pour les soins palliatifs et l'Association Les Petites Lumières les troisièmes éditions des rendez-vous de la place de la Sorbonne. Cette année, un concert exceptionnel aura lieu, concert inaugural, le samedi 5 octobre à l'église La Trinité, sous la direction du chef d'orchestre Hugues Reiner. Vous entendrez du Vivaldi, du Mozart, des chœurs. Nous vous convions tous à venir à 20h45 ce samedi 5 octobre pour pouvoir permettre aux personnes malades et aux proches d'avoir un certain nombre de fonds qui nous permettront de développer par ailleurs pour la quatrième édition d'autres actions. La philosophie de ces rendez-vous de la place de la Sorbonne, c'est de placer le citoyen au cœur des débats sur ces moments si essentiels de la vie que sont la fin de vie, la question de la place de la vieillesse, la question de la place des soins palliatifs dans notre société. Aujourd'hui encore, comme ces deux dernières années, nous avons la certitude que de travailler avec des artistes, de présenter des œuvres, eh bien, va nous permettre de faire évoluer, changer les mentalités. Nous pensons que l'art est un moyen très sûr de faire sauter des verrous et de permettre qu'un langage libre s'autorise autour de questions encore dans nos sociétés occidentales très taboues. Je vous remercie de faire la plus grande publicité à ces événements, l'événement inaugural, ce concert du 5 octobre, et bien évidemment, toute l'exposition photo qui se déroulera durant une semaine sur les places de la Sorbonne, une expo photo que nous devons, une fois encore, à un photographe que nous aimons tout particulièrement, Jean-Louis Courtina. Nous vous souhaitons tous aussi très nombreux le 8 octobre, qui sera le moment des débats et des rencontres avec des hommes politiques, avec des professionnels de la santé, des citoyens, des proches, des bénévoles, pour parler ensemble de nos différents regards que nous posons sur les soins palliatifs, les personnes malades et leur entourage. Je vous remercie.